j'ai toujours passé pas mal de temps dans des studios, mais pas comme celui-ci en général. Mais mes studios, c'est plus des cabines ou des apparts ou des chambres. Je suis plutôt du genre à mettre un ordi dans une pièce, et du moment qu'il n'y a pas les voisins qui sonnent, je peux y rester des jours, des nuits, des semaines. Le point de départ, c'est donc une bande de potes. Je crois qu'à l'époque, j'étais au collège, ouais. Et j'avais une bande de potes qui écoutaient des cassettes de Gabber. Et vu que j'ai une mère qui est artiste, qui avait du matériel pour faire de la musique électronique à la maison, un peu pour les narguer, j'ai décidé de faire un titre en une après-midi, en leur disant bah, je vais faire un morceau de techno, puisque c'est ça votre truc. Moi, pour moi, c'est de la gnognotte. Donc je m'y suis mis et je suis arrivé avec une sorte de morceau. Ce que moi, je comprenais comme étant de la techno, les mecs se sont marrés, parce qu'ils trouvaient ça complètement nul. Et à partir de là, naturellement, je me suis retrouvé à aller dans une soirée, dans une rave. Et à partir de là, ouais, j'ai pris une grosse tarte musicale, et puis un peu sociale, enfin, toute l'ambiance des rêves de cette époque. Enfin, il y avait en tout cas une sorte de... un truc un peu initiatique fort, quoi. Oui, je pense une chose complètement imprévisible. Des formes, presque même des matières. Sa matière qui soit composite son comme et imprévisible. Comme un objet en trois dimensions. Et comme un gravier comme un ou un galet. Le moment où je décide de m'appeler Jackson and his Computer Band, c'est absolument pas écrit que je vais me mettre à essayer effectivement de faire de la musique rétro avec des outils contemporains, ou de simuler des instrumentistes en fait qui n'existent pas. Ça s'est fait sur le tard, mais c'est assez raccord finalement avec mon parcours, puisque j'ai commencé à jouer dans un groupe. Ensuite, j'ai décidé de tout plaquer pour faire de la musique avec deux synthés et une boîte à rythme. Mais toujours en gardant en tête, enfin en tout cas l'envie de connecter ces deux approches. En 95-96, la techno, c'était vraiment considéré comme de la non-musique. C'était archi méprisé. Et ça m'a excité en fait. Et c'était aussi le moment où le digital se devenait un peu plus accessible, où c'était possible effectivement de travailler le signal et de découper l'audio beaucoup plus facilement qu'avant. Enfin, même si Christian Marclay ou Stockhausen ont découpé des bandes bien bien avant tout ça. Mais donc effectivement, je me suis peut-être retrouvé à un moment où la French Touch commençait un peu à ronronner avec des espèces de formules un peu trop exploitées. Et j'ai eu aussi envie de faire une musique qui n'allait pas nécessairement dans le sens des clubs tels qu'ils étaient vécus à ce moment-là. Où en fait, les deux trucs qui dominaient, c'était la techno minimale et la deep house. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je veux faire une musique avec plein de ruptures, où on ne se soucie pas nécessairement du flow, du flux en continu. Et où le funk, le rock, la techno et l'électronica peuvent se mélanger. J'aime bien parler de ma musique comme une musique transgenre. Déjà parce que j'ai de la sympathie pour les transsexuels, et ensuite parce que effectivement j'aime fusionner des styles pour en créer des nouveaux. C'est un truc qui m'a toujours excité. Moi, je pense pas que ce soit un rond. Il est fabriqué, il est généré par un processus. Je pense pas que ce soit une chimique. Forme. Enfin, il a pas une forme. Toujours la même. Il n'est pas volontaire, c'est une sorte de parasite quand même. À vrai dire, j'en sais absolument rien. Mais je pense que le grain, il a une forme qui change. C'est comme un peu du gravier ou un grain de sable. Enfin, moi, je l'imagine comme un grain de sable. Comme des galets roulés par la mer et qui sont tous différents. J'ai commencé à faire des lives avec
ce que je pouvais, enfin à l'époque, à savoir un ordi portable acheté par mon éditeur. Et du coup, je me suis éclaté, c'était super, mais assez vite, je me suis dit, attends, il y a un problème, je regarde un écran, je suis coupé des gens, mon corps, il sert à rien. C'est très très compliqué d'être dans l'instantané. Je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait absolument développer, ou en tout cas réfléchir à des interfaces. Comment utiliser ses mains, ses yeux, ses bras pour être dans un jeu musical le plus direct possible et que ça soit éclatant en fait aussi, qu'il y a un potentiel quand même de magie et d'imprévu et d'accident. Et donc l'idée c'est de se servir de la scène comme une sorte de super instrument et puis de donner naissance à mon computer band. Plus je fais de la musique, plus mon inconscient prend le dessus sur ce qui se passe. C'est quasiment une sorte de processus un peu naturel, c'est-à-dire que je passe du temps à vivre avec des bouts de morceaux, des études, etc. Et puis, en fait, malgré moi, il y a quelque chose de, je sais pas si je dirais humain, mais en tout cas viscéral, qui se greffe aux morceaux. C'est pas nécessaire, c'est pas ce qui les rend forcément les plus faciles à écouter, mais en tout cas, moi, ça me permet de grandir avec de la musique, quoi. C'est d'avancer dans cette zone mentale. Il y a du grain, il y a des petits grains qui apparaissent. En son, ça pas exactement la même forme. En fait, je peux suis pas troublée visualiser par la langue, par grain. Le langage, à cause du grain qui m'évoque la pluie et qui vient s'interposer en rideau à l'intérieur de la question sur le cinéma et la musique. Je me suis inspiré de l'architecture futuriste des années 60. Je me suis dit qu'il fallait absolument être dans cette espèce de zone voilà, un peu floue. Je voulais pas être dans la dialectique du futur technologique trop SF années 80 avec ce qu'on a beaucoup vu, ce qu'on associe toujours à la techno, c'est l'espace. Les fusées spatiales et les néons. J'avais envie d'un truc un peu plus proche de Metropolis ou d'un univers quasi un peu mécanique.